Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau live de Motion Life Teach sur un nouveau challenge de l'école H3E2. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Gillot, je suis le fondateur de l'école H3E2, une école qui te permet d'apprendre à réaliser un showreel professionnel en 3D pour trouver le métier de tes rêves. Et dans cette école, il y a un principe fondamental, c'est le concept des challenges. Je regarde si tout fonctionne de mon côté, si vous m'entendez bien, ça a l'air d'être bon, sinon vous criez. Le concept des challenges, c'est quoi? Les élèves de l'école vont avoir un thème imposé, souvent choisi par le gagnant du challenge d'avant, et ils vont devoir faire un projet dessus pendant 14 jours. D'accord? 14 jours. 14 jours, c'est court. Mais c'est aussi, c'est ça qui est bien, c'est que ça permet à l'élève de se forcer, de trouver des solutions en 14 jours pour faire le truc le mieux possible. Là, leur thème, c'était l'été, et ils ont eu 14 jours pour faire un projet sur l'été, et le résultat est dingue. Peut-être que tu as déjà vu un petit peu des morceaux, tu as peut-être aussi déjà vu les finalistes, on va revenir dessus. Avant ça, on va faire un petit check si tout fonctionne, ça a l'air d'être bon de mon côté. Ouais, salut Lucie, j'espère que tu vas bien. Eh ben tout a l'air bon, on va commencer tranquillement. Alors, premier truc à vous dire, énorme merci aux élèves de l'école H3E2 pour avoir fait ce challenge. Je sais que le challenge et les challenges sur la période estivale comme ça, juillet-août, souvent c'est pas la folie, parce que les gens préfèrent souvent un petit peu, on va dire, s'amuser que travailler pendant cette période-là. Et pourtant, là, on a un challenge qui était d'une qualité de ouf. J'espère que tu vas bien, Marina. Bienvenue. Qualité de ouf, qualité de ouf. Vous êtes dépassés et à chaque fois que je vois un challenge, je me dis ça pourra pas être mieux la prochaine fois et c'est encore mieux et c'est super bien. Donc, bravo à tous pour ça. C'est vraiment excellent. Vous savez, aujourd'hui, il y a une espèce de mentalité qui dit que c'est pas bien d'être meilleur, il faut pas essayer d'aller chercher l'excellence, il faut surtout pas essayer de faire des trucs bien. Je suis content de voir que dans l'école, ce soit à l'opposé de ça et que vous fassiez tous tout pour vous dépasser et faire les meilleurs projets. Et ça se sent et c'est hyper cool. Et je suis tellement, tellement fier de voir d'avoir des élèves qui bossent sur leur mois de juillet pour finir un challenge de 3D. Alors que toutes les autres personnes qui font des études aujourd'hui sont en vacances et c'est trop cool. C'est vraiment trop trop cool. Donc encore bravo à vous. Merci. C'était vraiment énorme. Et bienvenue à toi Florian. J'espère que tu vas bien. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais réexpliquer le principe de ce soir. Ce soir, on est en direct, en live, et ça va être à toi de choisir le gagnant du challenge. Alors, comment ça se passe? En fait, globalement, les élèves, ils ont rendu le challenge il y a à peu près un peu plus d'une semaine. Pendant cette semaine, les élèves, ils ont voté entre eux pour élire, on va dire, les meilleurs travaux. Et on choisit les trois qui ont le plus de votes. Alors, sur la page de l'émission, teach.motion-live.com/émission, tiens, je vais la mettre dans le chat, histoire que tu la vois bien, tu vas avoir juste en dessous, en fait, le nom de ces trois finalistes. Et tu peux voter pour eux, en fait. Et en votant pour eux, ça va te permettre de déterminer à la fin de ce live qui gagnera le challenge et du coup, qui parmi les élèves et ceux qui ont rendu leurs travaux pourra choisir le prochain thème. L'idée, c'est de rendre ça un peu plus compétitif, un peu plus fun. Et moi, pendant cette émission, je vais corriger chacun des projets en terminant par les trois finalistes. Et à la fin, on va regarder ensemble le résultat. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder les trois travaux des finalistes. Alors, qui sont nos finalistes ce soir, ce challenge l'été? Trois projets d'une qualité complètement abusée. On est parti. Alors, on va passer sur mon écran pour que tu puisses voir un petit peu ce que je raconte. Ici, du coup, j'espère que je te nique pas trop les oreilles avec mon micro. Nous sommes, du coup, sur la page de l'école. On a trois finalistes ici. On a Ubaïda, qui est déjà en tête. Ubaïda, il est pas là pour déconner. Il y a déjà trois votes. Ça, c'est bon. Donc voilà, pour voter, c'est cliquer dessus. Hein. Je pense que c'est assez clair. Donc, on a Ubaïda en finaliste, Romain et Lucie. D'accord? Alors, la preuve, hein, Ubaïda était, ici, tu le vois, à 18 voix, tu vois. Lucie, Romain était à 16 voix et Lucie était à 13, si je me souviens bien. Ouais, 13 voix, ok? Donc maintenant, voilà ce qu'on va faire. Je vais te présenter, te montrer, du coup, en live ce soir, les projets des trois finalistes pour démarrer. Ces trois projets, du coup, vont être... Je vais les montrer sans commentaire. L'idée, c'est juste pour que tu puisses voir ces trois projets et que tu puisses voter pour celui que tu préfères. Ensuite, je vais faire les retours sur tous les projets des autres élèves. Et enfin, je vais terminer par le retour sur ces trois projets-là. Et on regardera qui a gagné en fin de live.
J'espère que t'es aussi excité que moi parce que ça va être très cool. C'est parti. On va commencer par notre troisième finaliste du coup, qui est Lucie. Alors, on y va. Je vais juste prendre moi sous mes yeux, hop, le truc qui gère la musique, histoire que Lucie, s'il y a du son dans la vidéo, que tout le monde entende bien. Paf, 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 ça m'a l'air bon. Hop, tac, hop là. On va mettre ça en grand et on va couper le son de mon micro et de ma musique pour qu'on puisse entendre que la vidéo de Lucie. C'est parti. Tu veux bien couper, voilà. Hop, let's go. Bon, du coup, pas de bol, il n'y avait pas de son pour le coup. On se fait une deuxième fois pour le voir en boucle. Je rallume le son de la musique, comme il n'y a pas de son. Hop. Ou alors, il y avait un son sur ta vidéo et c'est moi qui ne l'ai pas mis, Lucie. C'est moi qui a un petit problème de sortie sonore. C'est peut-être ça, je vais vérifier un petit check. Google Play, Playback. Ça a l'air bon. Ah, j'ai pas de son moi, qui vient de Google. Hein. Donc, je sais pas s'il y avait du son dans ta vidéo, Lucie. Lucie, tu es en ligne, je vois. Dis-moi s'il y avait du son dans ta vidéo ou pas. Si c'est un bug de ma part ou si il y avait juste pas de son et tout bien. Hop. Non, il y a pas de son. Ok, nickel, ça marche. Parfait. Allez, on se refait une petite dernière fois du coup. C'est parti, comme il n'y a pas de son. Let's go. Ok, donc c'était le travail de Lucie. Si tu penses que le travail de Lucie mérite de gagner ce soir, on n'a pas encore regardé les autres, mais tu peux déjà voter, tu peux avoir eu un coup de cœur, eh bien, ça se passe directement sur teach.mason-f.com/émission et tu n'as qu'à cliquer ici sur Lucie pour voter pour elle. Ne soyez pas timide, ça prend 30 secondes, fais-le avec ton portable, c'est parti, let's go, va voter pour Lucie si tu penses que son boulot est excellent. Moi, je trouve que c'est un super boulot. Il y a une qualité de ouf, mais j'en parlerai juste derrière. On va commencer, on va continuer du coup avec notre second finaliste de ce soir qui est Romain. Romain qui nous a fait une image fixe, donc pas de son non plus ici, donc ça va être facile. C'est parti, on va mettre ça en grand écran. Je vais cacher ma tête 30 secondes pour qu'on puisse apprécier ça au maximum. Voilà un petit peu ce qu'a fait Romain. En image, je vous laisse regarder, je vous laisse apprécier, je vous laisse décider en secret. Si c'est pour toi celui qui mérite de gagner ce soir. Je rappelle le thème l'été, encore un excellent travail, mais j'y reviendrai. Allez, je te laisse plutôt te faire et réfléchir à ta décision. Est-ce que Romain mérite de gagner ce soir? Est-ce qu'il mérite d'avoir ton vote? Si oui, alors, il faut aller voter directement sur les votes. Je vois qu'il y a un vote qui arrive pour Lucie. Bravo Lucie, c'est cool, excellent. L'écart se resserre doucement avec Ubaïda. Romain toujours à zéro. Si tu penses que Romain mérite de gagner ce soir, n'hésite pas à voter maintenant sur le site de l'émission. Et enfin, nous, on va terminer avec notre troisième et dernier projet dans les finalistes de ce soir. Le travail d'Ubaïda. Alors, pour le coup, je me souviens qu'il y a du son. Donc, on va préparer ça. Tac, hop. On va ici venir couper la musique et on est parti. Salut Emmanuel, bienvenue à toi. Allez, on se le refait une deuxième fois, juste pour le plaisir.
Et on y est, c'était le travail d'Ubaïda. Même chose, un excellent boulot, j'en parlerai après. Si tu penses pour toi que c'est Ubaïda qui mérite de gagner ce soir avec ce travail, eh bien il suffit de voter pour lui. Toujours à 3, contre 1, contre 0. Allez-y, ne soyez pas timide, allez voter ce soir sur le site de l'émission. Le lien est dans la description si t'es sur YouTube, c'est dans le chat. Et si t'es sur la page de l'émission où tu regardes cette vidéo, c'est directement en dessous. Donc voilà. Alors, on va commencer du coup par faire les retours sur les autres travaux. Pendant toute cette partie de retour, n'hésite pas à aller revoir les travaux d'Ubaïda, Romain et Lucie pour aller voter. Si tu ne l'as pas fait, fais jouer la compète, ça va être fun. C'est parti, du coup, nous, on va continuer du coup sur les projets et je vais simplement les prendre dans l'ordre hein, ici. Donc c'est parti, on va commencer par le travail d'Eddie, d'accord ? Hop, je vais le mettre en grand, même chose, on va l'apprécier au maximum comme les autres. Je vais couper ma caméra, couper mon son pour qu'on puisse l'apprécier. Et puis après, je vais faire un retour dessus détaillé. Allez, on y va, c'est parti. Bon, décidément, je me fais avoir à chaque fois puisqu'il n'y avait pas de son non plus. Donc, allez, on se le refait encore une fois et on se fait un retour dessus tranquillement. Alors, le travail de Eddie. Que dire dessus ? Le premier point que j'ai à dire directement sur le travail d'Eddie, directement, c'est que c'est un travail qui est pour moi d'une qualité quasiment professionnelle. Donc ça, c'est un excellent point, c'est un très très bon point. Eddie, ton boulot est super bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je regarde l'image, stop là, je peux vite me poser la question, attends, c'est une maquette, c'est de la prise de VRL ou c'est de la 3D là ? Le seul truc qui peut trahir, c'est la fumée de la maison, qui je pense est un petit peu en dessous du reste. Mais si on regarde là, vraiment, on peut vraiment se poser la question, attends, maquette 3D ou réelle ? Et ça, quand on se pose la question comme ça, c'est que ça veut dire que c'est un putain de boulot. Donc ça, c'est un très très bon point, Eddie, un énorme bravo pour toi, pour ça en fait, parce que le taf est fou, parce qu'en fait, justement, on peut se poser la question de savoir si c'est de la 3D ou pas. Gros, gros, gros bravo là-dessus. Il y a énormément de choses qui fonctionnent dans cette image, il y a 2-3 petites choses qui fonctionnent pas, je vais en parler, mais... C'est un excellent boulot. C'est largement le niveau qu'on attend d'un professionnel dans le milieu. Quelqu'un qui fait du film de publicité ou de l'effet spéciaux à son compte ou en freelance ou même sur une petite équipe pourrait tout à fait sortir des films de cette qualité-là. C'est très bien, c'est excellent même. Donc super gros bravo à toi Eddie. Moi, c'est personnellement, ça a été un de mes projets préférés de ceux qu'il y a eu sur cette chaîne. Après, il y en avait tellement des biens aussi, c'était, j'avoue. C'est difficile de choisir. Donc le travail d'Eddie, excellent. Qu'est-ce que j'irais changer ? Le petit truc pour moi qui fonctionne moins, en fait, comme j'ai dit au début, c'est la fumée. La fumée, on sent qu'elle est fake. On sent le voxel, tu vois, ça fait pas naturel, quoi. Alors pourquoi, en fait ? Bah parce qu'en fait, ta fumée, elle bouge trop. Il y a trop de mouvement, elle est trop claire, elle est trop visible. En vrai, une fumée qui sort... Ah, c'est ça, c'est une fumée de chaudière, hein. Les fumées de chaudière, en vrai, ça se voit quasiment pas. C'est hyper clair, c'est hyper subtil, c'est très fin. Et surtout... En fait, ça fait pas des espèces de petits carrés là. Tu vois, là, ça fait des espèces de petits carrés, on sent un petit peu le voxel. Donc, c'est parce qu'en fait, ta simulation manque un petit peu de finesse. La vérité, c'est que moi, j'avais dû le faire en 3D. Enfin, j'avais dû faire cette fumée là, j'aurais utilisé un stock shot. J'aurais pris la fumée sur fond transparent et je l'aurais mis en plaque dessus, au niveau de la fumée. Je me serais pas amusé à la faire en simulation. Ça aurait été plus fin, plus joli et plus facile à faire. Dans tous les cas, Eddie, très très bon travail. C'est même de l'excellent boulot, je peux que te féliciter et je peux que te conseiller de continuer comme ça, tu es sur la bonne direction. Dieu sait que c'est du bon boulot. Qu'est-ce qui va pour les autres ? Pour que vous puissiez prendre exemple sur Eddie, qu'est-ce qui fait que son travail fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Le premier truc qui fait que ça fonctionne, c'est que son image est cohérente. Dans le sens où on a un compositing qui fonctionne, un éclairage qui fonctionne, donc on a... concrètement une direction de lumière qui est affichée, donc c'est un coucher de soleil qui vient ici de derrière, on a une HDRI qui fonctionne, donc il n'y a pas d'ombres noires qui sont trop bouchées, et on a une composition qui fonctionne dans le sens où on n'a pas de problème de concept dans l'image. Les proportions sont bonnes, je trouve que la taille des cailloux par rapport à la maison, ça me paraît un poil bizarre sur le gravier, mais sinon on est quasiment bon en termes de proportions. Et surtout, il y a une erreur que je vois
tout le temps que les gens qui font de la végétation, il y a souvent pas assez de densité. Et là, c'est pas le cas. Là, on a largement assez de densité dans la végétation. Et même là où est-ce que t'as très 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 bon Eddy, c'est où est-ce que t'as été rajouté ces espèces de plages de brouillard là dans les arbres. Ça amène une profondeur dans ton image qui est excellente. En plus de la mist que t'as mis là, on voit bien que là, les montagnes sont plus bleues que là. Parfait, parfait, parfait. Il y a énormément de choses qui fonctionnent. Inspirez-vous, les autres élèves de l'école, de ça. C'est un excellent moyen, en fait, de faire un paysage en 3D. Petit truc qui est un peu en dessous du reste, qui a fait un peu cheap, c'est tes oiseaux, hein. Simplement parce qu'en fait, tes oiseaux, ce qui fait cheap, c'est pas bête, hein, c'est tout bête, hein. C'est parce qu'en fait, ils restent au même niveau de... à la même altitude, en fait. Alors qu'un oiseau, c'est jamais à la même altitude. Ça va donner un coup d'aile et ça va faire foot, ça va monter, tu vois. Foup, tu vois, foot. Donc, le fait que là, ils soient tout le temps comme ça, et qu'on voit clairement que tes ailes, c'est pas des bones, mais une shape key, parce qu'on voit qu'elles, si tu regardes bien, on voit bien que les ailes, elles se rétrécissent, tu vois, quand elles passent là, tu vois, et elles s'agrandissent sur le truc. Ça fait un peu en dessous du reste, voilà, petit truc sur lequel il faut faire attention, mais sinon, on a quelque chose qui est excellent, excellent, excellent. Énorme bravo à toi, Eddy, très bon travail, on passe à la suite. Deuxième du coup projet, donc encore une fois hein, Lucie, je te fais à la fin comme t'es sûr les finalistes, le projet de Marina, il y a Marina qui est d'ailleurs avec nous ce soir. C'est parti, donc on est sur une image fixe. Ici, on regarde ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans ce projet. On va essayer de comprendre un petit peu comment Marina aurait pu faire les choses différemment pour aller plus loin la prochaine fois. Donc déjà on va s'arrêter sur ce qui fonctionne. Moi ce que j'aime bien dans ce projet, et c'est tout le temps le truc le plus important, c'est qu'on comprenne ce qu'on regarde, d'accord? Et moi, ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que je comprends parfaitement ce que je regarde. Je comprends parfaitement que je regarde une petite plage miniature dans une bouteille de verre. Et en plus, je trouve le concept vachement cool. Et ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Premièrement, j'aime le concept parce qu'il est un petit peu original, il est un peu recherché. Et deuxièmement, je comprends absolument ce que je regarde. Et ça, c'est vraiment super, super cool. Le nombre de fois où je vois des concepts où les gens parlent dans des délires et on comprend pas ce qu'on regarde, c'est un petit peu dommage, ok? Donc ça, c'est vachement bien. Et on comprend parfaitement aussi sur voilà où est le palmier, où est la plage, etc. Donc ça c'est un très très bon point. On comprend un petit peu le style graphique là. Je sais pas si ça fait papier mâché ou exactement, je sais pas comme matière, mais on sent qu'il y a un truc un peu low poly. Enfin c'est assez cool. Donc ça j'aime bien. Ça c'est vraiment top. Alors sur les points, je pense où est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'amélioration sur le projet de Marina. Ici globalement le premier point là que j'ai à dire, c'est l'éclairage. L'éclairage est un petit peu plat. Alors j'ai l'impression, hein, si je me trompe pas, que c'est seulement une HDRI qui éclaire. Notamment là, on voit le point du soleil dans l'HDRI. Alors une HDRI, c'est bien, c'est même indispensable. Hein, j'arrête pas de dire, mettez des HDRI pour faire de la réflexion, etc. Et la preuve, on voit que ça aide ici carrément. Mais ça ne suffit pas une HDRI. Une HDRI, c'est rarement suffisant pour faire un éclairage. L'HDRI, c'est la base. Mais après, il faut faire vos propres éclairages pour aller plus loin. Donc là, par exemple, ce que tu aurais dû faire, Marina, c'est mettre en fait une directionnelle à l'endroit du soleil, dans la direction du soleil, pour la pousser. Parce qu'en fait, souvent, quand on a un éclairage de plage, hein, je vais prendre l'exemple ici, par exemple, que là, c'est réussi. Enfin, ça marche un peu mieux. On a des ombres vachement plus fortes, en fait. Les ombres sont vachement plus fortes. Et du coup, pour ça, bah, il fallait forcer un peu l'HDRI pour éviter ça et avoir des ombres beaucoup plus fortes ici. Là, tes ombres sont trop douces et ton image, en général, elle est trop foncée, en fait. Hein. En été, en plein cagnard, en plein soleil, et surtout quand on voit le soleil dans la réflexion, tu dois avoir des blancs qui sont quasiment cramés, tu vois. Là, on n'est pas cramé, là, on est blanc, gris, un peu fadasse, tu vois. On est en... C'est marrant parce qu'on a l'impression que le soleil, tu vois, il est en hauteur ici. Et pourtant, on a l'impression qu'on est quasiment en début de soirée, tu vois, quasiment, tu vois, 21h30, tu vois, quand on regarde l'image, parce qu'en fait, elle est très foncée, au final. Tu vois, il y a très peu de blanc dans ton image, tu vois, c'est très foncé, c'est très vif dans les noirs. Le seul truc un peu clair, c'est le blanc là et le petit point lumineux. Ça, c'est un petit peu dommage. Si t'avais juste poussé ta lumière en rajoutant une directionnelle, ça t'aurait énormément aidé pour ça. Le deuxième truc du coup, où est-ce que du coup ça pêche un petit peu, bah c'est le fond. Le fond en fait, hein, clairement là, tu vas malheureusement tromper personne. On voit tout à fait que c'est l'HDRI avec la texture un peu tirée. Ça c'est un petit peu dommage parce que même chose, c'est des choses qui sont faciles à ne pas mettre en fait. Là, si tu voulais pas avoir ce fond là, bah c'est très simple, hein, il suffisait de mettre un sol. Parce que là, on imagine que j'ai la caméra un peu plus dessus, tu vois, je regarde sur un espèce de banc ou un truc en bois en tout cas, et bah en dessous d'un truc en bois. Surtout vu du dessus, c'est très très rare qu'on ait de l'herbe qui en plus on voit elle est un peu verticale projetée. Souvent on a un sol, donc ce sera du sable, un gravier, un béton, ce que tu veux, mais pas des arbres, tu vois. Et là du coup il y a un problème de cohérence dans la mise en scène de ton image. Attention, hein, une image ça se construit sur toute la profondeur, donc de ce qui est devant la caméra, de ce que tu filmes, mais aussi ce qu'il y a derrière. Et c'est très important que ce qui soit derrière soit cohérent avec ce que vous voyez devant, parce que si c'est pas le cas, ça fait tout de suite 3D, parce qu'en fait la 3D c'est le seul médium où on peut avoir ce problème là, donc on le voit tout de suite.
Donc voilà, attention au fond, à l'éclairage et au fond, pour moi c'est les deux choses les plus importantes ici sur ce projet. Troisième élément qui est un petit peu dommage, bah, c'est tes shaders. Hein. Tes shaders ils sont un petit peu, on va dire, légers, d'accord. Alors pas les... je trouve que le shader dans... Là, l'élément qu'on regarde en principal, je trouve que le sable, les palmiers, tout ça là, ça c'est vachement bien réussi, j'aime bien, c'est cool. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est le shader gris de base, quoi. Pourquoi il n'y a pas de couleur là? Pourquoi on sent pas la matière, tu vois? Si j'avais envie de deviner la matière que ce serait, j'aurais du mal là. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Surtout que ça, c'est quand même une grosse partie de l'image, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de trouver une matière plus intéressante que ce gris, certainement un peu plastique, tu vois. Et ensuite tes shaders, en fait beaucoup de tes shaders, notamment là, ici, 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 ce ne sont que des textures que tu as plaquées en diffuse. Mais c'est en effet le shader de base, ça marche, ok. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait un shader c'est rarement que de la diffuse. Un shader c'est de la diffuse ou de la base color, mais aussi de la roughness et aussi du bump. Et c'est les trois éléments indispensables à mettre dans un shader. Alors souvent, la plupart du temps, tu peux en fait plugger la même map, donc ta même map de texture, dans la base color, dans la roughness, dans la bump map, pour avoir un truc de base sur lequel démarrer quand tu pars de texture bitmap. Là, c'est ce que tu n'as pas fait, je pense. En tout cas, dans le bois, ça c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas de bump. Et là, par exemple, sur la paille, pareil. Alors peut-être que sur la paille, il y a, mais il y a le vert qui passe au-dessus, donc je vois mal. Dans tous les cas, voilà. En tout cas, tes shaders manquent un petit peu de détails dans cet élément là parce qu'en fait il y a vraiment un travail sur la diffuse, ça se voit, sur la color c'est cool, mais pas sur les autres maps, et les autres maps sont tout aussi importantes parce que c'est ce qui permet vraiment de définir une matière, d'accord. Donc pense à bien pour la prochaine fois travailler aussi ce qu'on appelle la roughness, donc tout ce qui est rugosité, à quel endroit mon shader en fait à quel endroit mon shader va avoir une réflexion qui va être parallèle, c'est à dire net, ou alors à quel endroit ce sera flou, ce qui va permettre de faire un petit peu voir les traces de gras, etc. Ou alors, au contraire, à quel endroit aussi mon shader va être creusé, avoir des bosses, etc. Ça c'est le bon, ok. Je vois que t'as été le plus vite. Bon, en tout cas, Marina, je dois être honnête, ça en 4 jours, c'est quand même vraiment pas mal, donc je pense qu'on peut aussi te faire un gros bravo pour ça. Je trouve qu'il y a quand même des choses très réussies, notamment, le truc que j'apprécie particulièrement sur ton image, c'est le sable, le transat et le petit parapluie là. Je trouve que ça c'est vachement bien. Si je prends le transat tout seul, il est vraiment très très beau, je trouve. Vraiment très très beau, d'accord. Donc voilà, les palmiers sont un petit peu en dessous parce que les palmiers sont un peu plus durs, c'est des feuilles, il faut un peu de transluence, là on sent que tes feuilles elles font un peu plastoc, mais... Honnêtement, ça reste un bon boulot, ça reste un très bon premier jet en 4 jours, c'est carrément excellent. Donc voilà, énorme bravo à toi Marina, c'est un super boulot et que particulièrement aussi j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien aussi ce petit peu côté miniature là, je trouve ça toujours un petit peu cool. Petite astuce Marina, pour les prochaines fois que tu fais des choses un petit peu miniature comme ça, pense à utiliser ce qu'on appelle la DOF, la Depth of Field, en français c'est ce qu'on appelle la distance focale, pour pouvoir flouter les éléments, puisque quand on filme des choses qui sont petites, on filme souvent ça en macro, et le macro va créer beaucoup de flou devant et derrière, hein. Si je te montre un petit exemple ici, si je mets photo macro, on va voir. Pas macro non. Genre la propagande politique sur cette chaîne. Tu vois, photo macro, tu vois, on a vraiment un côté où on est très net sur une toute petite partie de la profondeur, tu vois, mais on va être flou devant et derrière. C'est d'ailleurs une araignée connue qui a... Ça, c'est l'araignée, si je me trompe pas, qui a servi d'exemple pour faire Lucas the Spider, si je me dis pas de bêtises. Bref, peu importe. En tout cas, voilà. La photo macro, c'est intéressant, du coup, quand tu fais des petites choses, donc, et là ça t'aurait énormément aidé dans ton image à rendre les objets plus ancrés dans la réalité, ça aurait vachement plus flouté dans l'arrière-plan, ça t'aurait aidé sur plein de trucs. Voilà, je vois en plus que Lucie est aussi d'accord avec moi sur le fait que c'est vraiment génial et que c'est cool, donc parfait. Marina, un grand bravo à toi, excellent travail, on passe à la suite. Alors, je rappelle que vous pouvez voter pour les trois finalistes, hein. Ceux qui viennent d'arriver, je vois Hervé que tu viens d'arriver, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Tu peux aller voter sur le site de l'émission pour les travaux que tu préfères. On a 4 pour Obaida, 2 pour Lucie, 0 pour Romain. Allez, démontez-vous. Allez-y à fond, c'est parti. En attendant, on passe à la suite et on va voir le travail de N. Alors, je pense que c'est Nicolas ton prénom, si je dis pas de bêtises. J'ai plus tous les pseudonymes en tête, mais je crois que c'est ça. Ah, ou c'est peut-être Nino. Nino ou Nicolas. Et bah, désolé si je me trompe. Tu me diras si je me suis planté. Alors, je crois que c'est Nicolas, allez voir.
Moi, ça, c'est aussi un projet que j'ai particulièrement apprécié parce que je le trouve très marrant dans la mise en scène. Je le trouve aussi assez fataliste, tu vois. C'est vraiment la plage après la soirée. Tout. Je trouve ça assez marrant, en fait. C'est marrant parce que c'est pas du tout le type de choses que je me dirais que j'irais représenter en 3D, perso. Et quand je le vois, je trouve ça trop bien. Bref, donc c'est un projet que j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce projet. Il y a quelques choses qui fonctionnent pas. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est parti. On va commencer par ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne dans ce projet, contrairement au projet qu'on avait avant, c'est l'éclairage. L'éclairage, il est vachement bien parce qu'en fait, il est cohérent. On a une puissance d'éclairage qui est étalonnée correctement, c'est-à-dire que des blancs sont blancs et les noirs sont noirs. Et on a des ombres et un shading, enfin un lighting plutôt, qui est en totale cohérence avec le fait qu'on est sur la plage et que du coup, il y a un soleil qui est fort. Donc on a des ombres qui sont contrastées, qui sont relativement nettes, c'est ce qu'on verrait sur une plage, et qui sont dans la bonne direction, enfin voilà. Il y a ce qu'il faut pour que ton éclairage soit cohérent et qu'on se dise « Ok, c'est crédible, donc très bien pour l'éclairage, bravo, il y a une HDRI qui a un ciel. » Alors, je sais pas si c'est une HDRI ou si c'est juste un sky, mais dans tous les cas, ça fait le taf. Bref, c'est vraiment ça super bien. Donc, l'éclairage, excellent, bravo, c'est vraiment bien bien, Nicolas, ce que t'as fait là-dessus. J'arrête pas de dire, à chaque fois, c'est quasiment le premier truc que j'ai souvent au projet « Faites gaffe à votre éclairage », bah pour le coup, là, t'y as fait gaffe et ça se sent et c'est cool. Alors, où est-ce que du coup, pour moi, il peut y avoir de l'amélioration dans ce projet? Alors, le premier truc pour moi qui est en dessous de tout le reste dans ce projet, c'est les deux trucs, c'est ça, donc l'espèce de rond net là au niveau du soleil, et la mer. C'est deux trucs, et allez, troisième truc, le parasol. C'est trois trucs qui sont en dessous du reste. C'est vrai que les boosts sont très très marrantes, et en plus elles sont vachement bien faites, je trouve. Mais par contre, le parasol, la mer et le soleil, donc visuellement parlant, ils sont en dessous de ton image. Et du coup, ça va être la critique que je vais faire un peu plus globale de ton image, c'est qu'en fait ton image elle est vraiment hétérogène en termes de qualité. Si je prends les boots, le transat, le sable, les rochers, et même finalement les bouteilles de picombière là, la qualité est vraiment bien. On est quasiment sur la photo, quoi. C'est vraiment cool. Par contre, si je prends le transat, la mer et le soleil, on est, tu vois, quasiment sur une 3D de base, quasiment sans shader, tu vois. Et du coup, cette espèce d'hétérogénéité, ah, apprends à parler en même temps, et ben malheureusement, ça rend ton image du coup moins crédible et ça fait qu'elle fonctionne moins bien. Donc attention à avoir une image qui soit homogène. Je pense que tu vois très bien visuellement la différence qu'il y a entre le parasol, tu vois, et ton transat, tu vois. Le transat, on sent la texture, on sent le shader, on sent le bump, on sent la map. Je sais pas si c'est une map de roughness, mais j'ai l'impression, on sent vraiment le bois là. Tu vois, on sent que t'as bien compris comment fonctionnait le shader. Le transat, il y a pas de lumière qui passe, il est pas dans le vent, on sent pas le tissu, y a rien quoi, on y est pas quoi sur le parasol. Voilà, et c'est la même chose pour tout, tu vois. Là, la mer, elle fait des espèces de carrés, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est parce que t'as pas assez de face. Il faut juste que tu lisses, clic droit smooth, je pense que ça règle le problème. Mais du coup, tu vois, on dirait pas une mer, ce qui est dommage parce que ton shader de mer, là, il est bien. Souvent, les gens, ils me font un shader de mer qui est raté. Toi, il est vachement bien réussi. Mais ce côté-là où on voit les faces ou les carrés, ou je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des faces. Malheureusement, on est en. Voilà, ça le fait pas. Le sable est vachement bien. Même la boîte de léprane, je trouve que c'est une putain. Enfin, c'est vachement cool. Par contre, du coup, le soleil, pareil. Ton soleil, en fait, juste. Là, c'est tout bête. Mais ton rond est trop net. Le rond ici est trop net. Tout simplement. Le rond est trop net. Et là, tu vas peut-être me dire. Bah, mais Romain, je pouvais pas faire autrement puisque ce rond-là, il fait partie de mon rendu 3D. Et bah, si, en fait, il y a une technique toute bête qui s'appelle le glare. Le glare, le glow, hein, c'est la même chose, ça sert justement à prendre les fortes zones de lumière et à les flouter. Donc c'est exactement ce que tu aurais dû faire, là tu aurais dû mettre un glare ou un glow sur ton soleil en compositing et ça aurait réglé le problème. Tu aurais dû, je pense aussi, saturer un peu plus ton image, ton image elle fait un peu désaturée, mais c'est parce que je suspecte que ton image sort directement de 3D, qu'il n'y a pas eu de compositing dessus, en tout cas j'ai l'impression. Il y a peut-être eu un compo juste pour ajouter les espèces de raies là sur le soleil, je pense que ça a été rajouté en compo, mais le reste j'ai pas l'impression qu'il y a eu de retouche sur le contraste ni sur la saturation, et je pense qu'une image un petit peu plus saturée aurait été un petit peu plus... joli. Voilà, sinon c'est super boulot. Il y a un très beau travail de texture, je trouve, notamment dans le sable, le transat, même là sur le pack de Cronenbourg, d'Oliprane et tout. Donc t'as bien compris ça et ça c'est cool. Je sais pas si c'est des assets que t'as chopé ou si toi qui les as fait, mais en tous les cas c'est du bon boulot et on voit que t'as bien compris comment mettre en place les éléments et comprendre ce qu'on garde. Je trouve que le cadrage est pas mal, la mise en scène est aussi sympa. C'est bien d'avoir mis ça sous un parasol, on comprend ce qui s'est passé. On arrive à imaginer la soirée qui a eu lieu, on arrive à imaginer l'histoire que t'as voulu raconter et ça c'est un excellent point. Donc un énorme bravo à toi, Nicolas. Beaucoup, beaucoup de très bon boulot dans ce travail. Il manque pas grand chose pour passer l'étape qui coince. Encore une fois, là, le gros souci dans ton image, c'est son hétérogénéité.
Donc voilà, et des éléments moins hétérogènes et un niveau en fait de shading et de détails de shader et de texture identique sur tous tes objets, et tu vas voir que ton image d'un coup va faire paf, ok, en termes de qualité. Alors du coup, c'est bien Nicolas, je me suis pas trompé, 2 jours avant la fin. Et bah écoute Nicolas, ça en 2 jours, c'est un petit miracle en soi. Putain, vous êtes vraiment des fous furieux en vrai. On vous donne 14 jours et vous, vous faites ça en 2 jours, comme si 14 jours en fait c'était encore trop long. En tout cas, super boulot Nicolas, encore bravo à toi, on passe à la suite. Donc Ubaïda on a déjà vu, donc on verra ça après. On va partir sur le boulot de Pierre, c'est parti. Alors Pierre, est-ce qu'on a du son dans ton projet? Je ne me souviens pas, on a l'air d'avoir du son, ouais. Donc on va ici, hop, couper la musique, couper mon son, couper la caméra, et on va regarder ça et apprécier le boulot de Pierre. C'est parti. Du coup, pardon, ok, c'était le projet de Pierre, j'avais coupé mon micro, tu m'entendais pas. On va, du coup, pareil, faire un petit retour. Hervé, pas de problème, tu peux me filer ton vote en direct, je te ajouterai au compte. Alors, c'est parti. Projet de Pierre. Alors déjà, on est sur de l'animation, donc un step un petit peu au-dessus de la plupart des projets qu'on a vus en fixe. Et souvent, le problème avec l'animation, c'est souvent plus ambitieux, et du coup, on fait souvent plus d'erreurs, c'est normal, c'est plus difficile. Alors, on va commencer par ce qui va dans ce projet. Bah, ce qui va, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'encore une fois, hein, premier truc, je comprends ce que je regarde. C'est un petit stand de glace, on se rapproche avec la caméra, et à la fin, on vient sortir le petit truc de glace dans, dans son petit pot. C'est cool, c'est simple, voilà, c'est sympa, ok. Alors, du coup, ça, c'est très cool, c'est un beau projet, ça, c'est un super bon, encore une fois. Hein. Le premier truc principal que tout le monde regarde quand on regarde une vidéo, hein, peu importe qu'elle était en 3D, c'est est-ce qu'on comprend ce qui se passe quand on regarde. Si on comprend ce qui se passe quand on regarde, c'est déjà un excellent indice que ça va dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, déjà dans ce projet, il y a 2 étapes. T'as l'étape du plan d'ensemble, où on voit tous les éléments, d'accord. Je vois Hervé qui dit que les bouteilles sont pleines. Ça avait peut-être plus soif. Donc on a le plan d'ensemble qui est au début, donc qui est en fait finalement le premier travail, le premier plan, et la deuxième partie où on voit l'intérieur des glaces, qui est quasiment en fait un second boulot. Donc je vais faire une comparaison sur les 2 boulots séparés avant de parler de l'animation. Donc là, si je prends cette image là, qu'est-ce qui va moins? Et ben là, ce qui va moins ici, c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses dans ce projet qu'on on comprend pas. Alors on comprend ce qu'on regarde, on voit bien que c'est un truc de glace avec une porte, etc. Mais il y a un truc qui nous paraît un peu off, on fait. Putain, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Alors, bah du coup, je veux pas te faire patienter plus longtemps. Le souci, il est simple, il y a un problème de proportion dans cette image. Il y a un problème de proportion et de logique au niveau de la position des éléments. Pourquoi il y a un problème de proportion? Bah c'est très simple à comprendre, tu vois. Si je prends ce truc de glace ici, ok, et que je le mets à côté de la porte. Alors il y a 2 solutions. Ou en fait, j'imagine que le truc de glace, ça c'est un truc pour abriter la tête des gens. Et du coup, la taille d'une personne arrive à peu près ici. Mais du coup, la porte elle est infiniment trop grande. Ou alors, c'est ça qui est petit. Et du coup, la porte est à la bonne taille. Et du coup, bah, ça c'est beaucoup trop bas. Et encore une fois, même chose, le truc qui ouvre la glace, il est beaucoup trop grand. Bref, il y a un souci de proportion entre le stand à glace et la porte. Et la preuve, hein, si je te montre un vrai stand à glace, tu vas voir que ça ressemble pas du tout à ça en termes de proportion. C'est ou beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit en fait. Hop, voilà. Tac, je prends le stand à glace ici, tu vois. Putain, ça coûte cher un stand à glace. Tu vois que les gens, là, leur tête elle est là. Elle est à cet endroit-là, la tête des gens. D'accord. Et du coup, bah, toi ça peut pas fonctionner. Si sa tête elle est là, lui, il y a un énorme problème. D'accord. Donc il y a un souci de proportion, et c'est ce qui fait en fait que toute l'image est un petit peu off. Et les proportions, comme je dis souvent, c'est pas un problème de taille directement dans Blender ou dans Maya, hein. Est-ce que t'étais vraiment sur la bonne mesure? C'est la question, c'est est-ce que par rapport aux autres objets c'est proportionnel? Est-ce que la taille de la porte est cohérente par rapport à la taille de, je sais pas, du poteau, etc. Et du coup là c'est ça, t'as un problème entre la taille de ta porte, de ton truc à glace, et aussi, j'allais dire, de ta taille de tes briques. Tes briques, elles sont un petit peu trop grosses. Alors, ça dépend si on prend par rapport au truc à glace ou par rapport à la porte. Et après, ça... Enfin, pourquoi c'est là?
Est-ce que t'as déjà vu dans la vie comme ça un mur de briques comme ça, tu vois, et d'un coup il y a une gouttière qui descend toute seule et qui part dans le vide comme ça? Non. C'est extrêmement rare, et c'est même, ça n'arriverait jamais en fait. Les gouttières, elles ne partent pas dans le vide comme ça en mode sur la route, tu vois. Et ça, bah, en plus, comme elle est en plein sur le tiers, c'est un truc qui attire le regard de ouf, et ça n'apporte rien à ton image ici. Ton image aurait été mieux sans, je pense, d'accord. Deuxième truc, du coup, qui va moins bien dans cette image, c'est ton éclairage. Ton éclairage, même remarque que... à peu près même remarque que Marina. Là, il est directionnel, ton éclairage, mais il manque une HDRI, c'est clair et net, hein, là, il n'y a pas de réflexion d'HDRI. Et aussi, il est pas du tout assez fort. Ton éclairage, il est beaucoup trop faible. On a l'impression qu'on est en... Bah, ça fait fade, en fait. Parce que ton éclairage est pas assez fort en termes de puissance. Ensuite, hein, même chose, tu vois, ton mur est parfaitement long. Tu vois, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est très bizarre. Tu vois, un mur, logiquement, il y a des fenêtres. C'est assez rare qu'on ait des murs de briques comme ça, hyper longs, sans rien. Donc, ça fait vite, on va dire, austère. Donc, voilà. Le truc aussi qui fait un petit peu cheap, hein, c'est parce que, du coup, tu manques de shader, de qualité de shader et de texturing. Donc, sur ton projet. Ton projet est trop flat. Tout est d'une couleur unie. Et du coup, c'est ça qui va faire vite un peu 3D jeu vidéo. Attention à la caméra. Hein, les caméras, pensez à avoir des mouvements qui soient linéaires sans trop de complexité. Là, ton mouvement, il fait 3D. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ta caméra, elle démarre, elle bouge, elle tourne, tu vois, elle fait vraiment une position, une rotation, hop, elle fait une petite vague, elle descend, elle va... Elle a un mouvement qui est impossible à faire en vrai, ta caméra, et qui est beaucoup, beaucoup trop... Alors, au moins, il est fluide, ça, au moins, il n'y a pas de coupure dans tes sauts, donc ça, c'est cool. Par contre, du coup, la trajectoire de ta caméra, elle est, en fait, tellement loin de ce qu'on pourrait faire en réalité, que bah, ça fait très 3D, et du coup ça il faut éviter. Il faut plutôt aller chercher des cadrages qu'on pourrait faire en réalité. Comment on cadrerait dans la réalité un stand de glace, tu vois? Bon, on serait certainement à côté à filmer en 150, 100, 150 mm, tu vois, zoomer dessus. On n'aurait pas du tout cette espèce de travelling comme s'il y avait un drone, tu vois. Hop. Et du coup, bon voilà, ici c'est un petit peu mieux. Même chose sur les même remarque sur les shaders, c'est un peu dommage que ce soit un petit peu plat en termes de shading. Par contre, je trouve que la glace qui sort et tout, c'est un petit peu cool. Bon, donc voilà. Je pense qu'en fait, Pierre, on est sur un bon démarrage. Je pense qu'il y a beaucoup de projets. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de trucs que t'as compris, Pierre. Parce que t'as une caméra qui bouge, de l'animation, un rendu d'image, un éclairage qui est en place, qui est pas assez fort, mais qui est en place. Différents objets modélisés. Maintenant, il faut prendre tout un step up. Et surtout, il faut que tu apprennes. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que tu n'as pas travaillé avec des références. Il faut absolument que tu travailles avec des références et que tu fasses attention aux proportions. Parce qu'en fait, finalement, je pense que le plus gros problème que t'as là, c'est les proportions, les références. Les proportions, parce que, bah, évidemment, il y a un souci de taille et c'est ce qui rend ton film un peu off. Et les références, parce qu'en fait, tout est trop simple. Parce que, en fait, pourquoi ? Parce que tu ne sais pas, quand t'as pas de référence, tu ne sais pas quoi est où, en fait. Tu ne sais pas quoi est où. Où est-ce que sont les gouttières ? Comment fonctionne un mur de briques ? Où est-ce qu'on met une porte ? Quelle taille fait une porte par rapport à un truc de glace ? Dans un truc de glace, est-ce qu'il y a que les glaces ? Qu'il y a des trucs en plus ? Voilà. Tout ça, c'est important que tu l'aies bien en tête. Et du coup, il faut en fait prendre des images et regarder comment sont mises en place les références. Voilà pour moi sur ce retour-là. En tout cas, Pierre, c'est un super boulot. C'est bien. En 15 jours, pareil, faire une animation de 20 secondes, c'est en fait un petit miracle. Hein, donc, un énorme bravo à toi. Excellent. Et sur ce, bah, on passe à la suite. Petite interlude pour vous rappeler que vous pouvez voter. Oh là, si vote pour Ubaïda, je vois qu'Ubaïda est en train de prendre la tête. Vous pouvez toujours faire rattraper Lucien Romain. C'est bon, jamais, n'hésitez pas à voter, ça se passe sur le site de l'émission. Je sais qu'on n'est pas énormément, je pense, ce soir, mais en même temps, c'est normal, on est un jeudi soir, en plein été. Les gens, ils préfèrent aller se bourrer la gueule dans des bars que de regarder un live sur de la 3D. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que les élèves H3D2 qui sont là, ce sont les vrais, ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui bossent et ce sont qui vont aller le plus loin. Et c'est super cool. C'est super cool, et sur ce, on passe à la suite. Et ben, on a fait le tour de tous les projets, il nous reste les 3 finalistes, et ben c'est parti. On va du coup prendre dans l'ordre des votes, même si vous pouvez toujours voter, hein. Il y a encore rien qui est fait. Donc je vais commencer par le projet de Romain, qui est ici. Hop, c'est parti. Alors le projet de Romain, ou à la plage Lucie, tout à fait, ou alors il sort à la plage en effet. Le projet de Romain, je trouve que c'est un projet qui est extrêmement réussi. Pourquoi ? Parce que justement, il tombe pas dans toutes les erreurs qu'on a vues quasiment jusque là sur ce challenge. L'éclairage est assez fort. Et on voit bien que l'image, elle est cramée de ouf. Parce qu'à la plage, il y a beaucoup de soleil. Et comme il y a beaucoup de soleil, bah du coup, les trucs sont blancs. Et ça marche de ouf. On se sent au soleil. Là, on s'imagine là au Club Med avec notre petite serviette un peu mouillée là sur notre transat. Tu vois, ça marche. Pourquoi ? Parce que l'éclairage, il est bon. Il y a une HDRI et il est puissant. N'hésitez pas à pousser vos lightings. Vos lightings sont toujours trop faibles souvent. Poussez vos lights. Et là, on est clairement dedans. Je préfère clairement 10 000 fois une image un peu trop cramée qu'une image sous-ex. Donc,
très très bien, Romain. Ça, c'est, je peux que féliciter sur le lighting. On est excellent. Il y a beaucoup de choses en plus qui fonctionnent bien. J'apprécie particulièrement du coup la mise en scène, et aussi un truc qui est vachement bien, c'est que tu as bien utilisé la DOF. Donc la DOF elle est très très bien pensée, puisque du coup tu as pu te concentrer seulement là-dessus et tout le reste est flou. Et ça donne un petit effet macro qui marche très très bien. Bref, c'est une très bonne mise en scène, un très bon cadrage, un très bon éclairage. Et pour terminer, je trouve que les shaders sont très réussis. Je pense que le shader ici est un petit peu en dessous du reste, mais le shader putain des serviettes est excellent. Le shader d'effet marche très bien. Le shader du cocktail ici est top. Le seul truc qui est un petit peu en dessous du coup, c'est les glaçons. Pour moi, c'est pas des glaçons, ça c'est des cubes de mercure. Je vais te dire pourquoi après, qu'est-ce qui va pas. Ah bah écoute, Earth Gaming, avec grand plaisir. Merci à toi, si un jour tu veux nous rejoindre, ce sera avec grand, grand plaisir. Donc voilà, c'est du mercure, c'est pas des glaçons, je vais y revenir juste dessus pourquoi, mais sinon tout le reste est excellent. Et en effet, Lucie a tout à fait raison, on sent le fait que ça va être un petit peu molletonné, qu'on peut les prendre, que c'est encore un peu chaud, tu vois. Ça, c'est la signature d'un shader très réussi, c'est qu'on sent la matière. Excellent, très 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 bon boulot là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que le projet est aussi bien réussi, c'est que quand souvent dans un projet, l'éclairage, le cadrage et les shaders sont réussis, souvent on part sur un 100%. Alors, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré dans ce projet? Et bien justement, il y a 2-3 trucs en shader qui sont un petit peu en dessous, et j'allais y venir. Le premier truc qui est clairement en dessous du reste, c'est tes glaçons. Tes glaçons et ton eau ne fonctionnent pas, malheureusement. Ton eau, t'aurais dû la faire en shader sur le sol. En fait, l'eau, il faut faire un masque de roughness. Parce qu'en fait, l'eau en mèche, c'est tout le temps trop épais, et ça fait des espèces de trucs qui volent, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. L'eau en mèche, ça ne marche pas, rappelez-vous de ça. L'eau en mèche ne marche jamais. Faites du shader, faites des masques en shader, et venez changer le shader avec un masque, d'accord? Plutôt que d'aller faire quelque chose avec des mèches. Les glaçons, du coup, pourquoi ils fonctionnent pas? Et bah simplement parce qu'en fait, tes glaçons, ils sont trop nets. Tu as mis une réfraction qui est nette. Et comme la réfraction est nette, et bah on voit à travers. Mais un glaçon, la réfraction n'est pas nette. La réfraction dans un glaçon, elle est floue. Tout simplement parce qu'en fait, dans un glaçon, il y a plein de bulles d'air, de machin, de trucs, et du coup, c'est très flou. Regarde, si on regarde des photos de glaçons, on ne voit pas à travers. Ce n'est pas des vrais glaçons, ça. Ça, c'est un truc de silicone. Image, hop. Parfait. Les glaçons, on voit pas à travers, tu vois, c'est pas net, tu vois. Il y a plein de trucs dedans, il y a des petites bulles, des machins, des trucs qui font que la réfraction, en fait, elle est floue, il y a une espèce de blanc, là, tu vois. C'est ça qui fait qu'on voit des glaçons. Toi, tu vois, tes glaçons, ils ressemblent plus à ça, tu vois. Et ça, c'est pas un glaçon, tu vois, c'est un espèce de truc de silicone, tu vois. Alors qu'un vrai glaçon, c'est ça. Là, on voit pas à travers, tu vois la différence. Donc, c'est ce qui fait que tes glaçons fonctionnent pas. Et aussi, tes glaçons, je pense qu'ils absorbent trop la lumière. Je pense que ton shader, il est pas blanc, en fait. Ce gris-là, c'est pas normal qu'il soit gris comme ça. Je pense. Ou alors il y a quelque chose d'autre qui va pas, mais il y a un truc. En tout cas, je pense qu'il y a un truc qui... Ah non, je sais. C'est parce que tes glaçons font de l'ombre. Et comme ils font de l'ombre, du coup, simplement en fait, le dessous est trop sombre. Donc il fallait juste que tu enlèves l'ombre de tes glaçons. Donc voilà. Attention à ça. Pense bien à ça. Un glaçon, ce n'est pas juste un cube transparent avec de la réfraction. C'est un cube avec de la réfraction, avec des bulles à l'intérieur et avec une map de roughness à l'intérieur qui fait qu'il y a des endroits plus ou moins transparents qui vont laisser plus ou moins. La lumière va plus ou moins se diffuser. Donc attention à ça, il te faut une map de roughness dans un glaçon, c'est le truc réaliste. Au final, je trouve que t'as beaucoup mieux géré la transparence et la transparence dans le cocktail, en fait, au final, parce que là pour le coup il y a la roughness dans ta réfraction, ça se sent, et du coup c'est vachement cool. Le sol, il me paraît un petit peu en dessous, en fait, tout simplement parce que je pense que le petit bump ici est un peu grossier. Il est trop gros, il faut le faire un peu plus petit. Et trop uniforme, hein, il faut changer un peu les couleurs, tu vois. Logiquement, tu devrais avoir dans un hôtel comme ça des traces d'humidité, des éléments, des éléments au contraire, c'est beaucoup plus sec. Donc il aurait dû avoir plusieurs masques de poussière, de roughness et d'humidité que tu devrais mettre en étage, en layer sur ton shader pour justement aller amener un peu plus de finesse et de richesse dans le shader de ton sol. J'avoue que je fais ça un peu pour chipoter, mais aussi Romain, je sais déjà que tu travailles et que t'as un bon niveau, donc je sais que je peux le faire du coup. Donc je me fais plaisir, et je sais, tu sais très, quand je vais te dire, tu vas me dire oui, je le savais, j'en suis persuadé. Dernièrement du coup, le truc qui est encore un petit peu en dessous en shader, c'est les feuilles. T'es fait, en fait, il manque un élément tout bête, c'est la transparence. Tes feuilles n'ont pas de transparence et du coup elles font un peu plastoc, tu vois, on le sent vraiment là. Là ça fait un peu plastoc, tu vois. Si elles avaient de la transparence, elles feraient pas plastoc. Je trouve que t'as moins le problème dans tes arbres. Là on sent la transparence dans cet arbre là, tu vois, il est un peu jaune orangé. Bah c'est ça la transparence, c'est la lumière qui passe à travers les feuilles. Là je le sens moins. Je sais pas s'il y en a, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Tu me diras, Romain, si je me trompe, mais en tout cas on le sent pas dans l'image. Voilà.
ça reste un super boulot. Pareil, tu vois, on est quand même au niveau où on aurait pu quasiment penser que c'est une photo. Quand on peut quasiment penser que c'est une photo, c'est que c'est quand même un très 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 bon niveau. Donc voilà, Romain, je le connais bien, il travaille déjà, il est très bon, donc j'ai fait exprès de chipoter au maximum dans les détails pour que, bah voilà, pour vous donner encore plus de clés pour qu'il y ait encore plus loin, mais ça reste un super taf et il faut surtout pas dénigrer, donc un énorme bravo Romain. Et d'ailleurs, si tu penses toi aussi que le boulot de Romain est excellent et qu'il mérite de gagner ce soir, et bah tu peux aller voter pour lui, hein, allez voter pour lui. Ah bah je vois que quelqu'un l'a fait, voilà, parfait, incroyable, continuez, on laisse perdurer la compétition. Rien n'est joué, rien n'est joué. J'ai vu des émissions où les ans sont remontés et tout, c'était fou furieux, donc allez-y, faites jouer la compète, ça va être énorme. Et nous, on passe au travail de Lucie, justement. C'est parti. Donc le travail de Lucie, il est là. Et le travail de Lucie, que dire. En fait, ce qui est ouf avec le travail de Lucie, c'est que elle a fait le choix de faire une vidéo, et sur sa vidéo, elle a dit, et moi je m'en bats les couilles, je vais faire de la condensation qui bouge. Et c'est le genre de truc qui est très difficile à faire et qui est vraiment parfaitement exécuté. La goutte là, elle est excellente. L'animation, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. On sent cette goutte qui descend un peu, qui tape contre une irrégularité, qui repart sur le côté. Elle est parfaite. Je ne sais pas si tu l'as faite à la main, la goutte, ou si t'es massé sur une vidéo, ou si c'est la triche avec de la projection, ou peu importe. Mais ça marche super putain de bien. Et là-dessus, Lucie, énorme bravo. Énorme bravo. C'est ce qui fait que ton travail, ça pousse le niveau de ton travail à. Ça le skyrocket, si je puis dire, à un niveau. Tu vois, sans ça, ton travail est bon. Avec la conscience qui bouge, ton travail est excellent. Donc ça, c'est super, super, super bien. Je ne peux que te féliciter pour ça. Énorme bravo sur, voilà, sur ça. Trop, trop, trop bien. J'ai tout fait à la main. Et bah putain, c'est très réussi. Bravo à toi. Alors, le petit truc dommage dans ton travail, Lucie, après, je sais qu'on est, on n'a pas beaucoup de temps, mais que c'est ton rendu flicote un peu. Tu vois, on a des petits flicotis de Firefly. Je pense que tu aurais pu régler facilement le problème en simplement clampant ton rendu. Donc sache-le pour la prochaine fois, ce petit flicotis là, si tu clampes souvent, ça s'en va. Et ensuite, les autres trucs qui sont super bien aussi, hein, ton éclairage est hyper bien fait, il est en place, ça marche trop bien. Ton HDR est là, elle est en place, ça marche trop bien. Tes shaders sont en place, la plupart sont super réussis. Les objets sont crédibles, mais on a un problème, Lucie. Comme notre ami qui est ici, là, notre ami Pierre. On a un problème tout bête, Lucie, et peut-être que tu vas le voir. Tes lunettes, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petites. Là, tes lunettes, elles sont quasiment aussi larges que ton verre. Est-ce que ta tête, elle est aussi large qu'un verre? Tu pourras jamais ces lunettes. Tes lunettes, c'est des lunettes qui sont... C'est des lunettes de bébé. Et du coup, ton verre, dans l'image, il paraît immense, en fait. Et c'est le problème principal de ton image, en fait. Il y a un problème de proportion. Alors, en vrai... C'est pas trop grave parce que moi, par exemple, la première fois, je l'avais pas vu. Je l'ai vu la deuxième fois que j'ai vu la vidéo. Donc, c'est pas catastrophique. Mais attention à ça. Hein, faites gaffe aux proportions. Voilà. Comme dit Marina, avoir un Morita géant. Faites gaffe aux proportions. C'est des choses qui sont vite choquantes et qui vont. En fait, on va avoir du mal à mettre le doigt dessus. Mais on va se dire, il y a un truc qui est off avec l'image, un truc qui a pas. Et bah là, c'est ça. Tes lunettes sont trop petites ou ton Morita est trop grand. C'est toi qui vois. Mais en tout cas, il faut ou agrandir l'un ou rétrécir l'autre. C'est globalement pour moi le plus gros problème de l'image, parce qu'en fait tout le reste je trouve fonctionne très 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 bien. Alors si tu voulais encore un petit peu loin, je pense que le shader de citron est un petit peu en dessous du reste, notamment celui-là, tu vois, on sent un peu, ça fait un peu plastoc. Pareil que pour Romain, je pense que son shader de Triton n'a pas assez de transluence, donc il faut juste ajouter de la transluence dessus et le problème sera résolu. J'ai justement fait une vidéo spécifiquement sur une orange, sur un travail de merde, comment il s'appelle? J'ai plus son prénom en tête, bon, c'est pas grave. Sur le même thème, alors il l'a pas mis sur le channel parce qu'il l'a fait plus tard, mais je lui ai fait un tour dessus et il m'avait posé la question sur l'orange. Et en fait, juste en ajoutant la transluence, ça règle le problème. Donc n'hésite pas à mettre un petit peu plus de transluence. Si tu veux voir comment j'ai fait, n'hésite pas à aller voir la vidéo dans les vidéos réponses de l'école. Sinon, tout le reste est en place. Le shader de l'eau est super bien réussi, les glaçons dedans sont hyper bien réussis, le citron à l'intérieur est trop trop bien. Enfin, j'ai vraiment pas grand chose à dire en fait. C'est super bien en termes de visuel et en termes de shader, en termes de lighting. En termes de tout, on sent que t'as compris. Je pense que ça manque peut-être un petit peu de glow en compo. Je suis pas certain qu'il y ait eu du glow sur le rendu, sur le compositing sur le rendu. En tout cas, pas beaucoup.
Ah bah t'avais mis la translucence mais pas poussé assez, bah et voilà. Bah écoute, y a plus qu'à mettre un peu plus alors. Peut-être aussi ton bump est un peu fort, je pense. Ton bump est un petit peu fort, ce qui fait que ça accroche un peu trop. Alors il faut savoir que il y a un effet un peu contradictoire qui se passe quand tu fais de la translucence, c'est que plus tu mets de la translucence, moins le bump se voit. Donc ça tombe en fait, t'auras juste à pousser ta transpirance et on verra moins le bump. Mais en tous les cas, c'est un excellent travail. C'est, voilà. De toute façon, encore une fois, là, quand on en est au niveau à chipoter, c'est que c'est un beau boulot. Pareil, on aurait pu croire que c'est une photo, on aurait pu croire que c'est une photo d'artiste qui joue avec les proportions, donc c'est assez cool. Donc voilà, super boulot, Lucie. Très 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 beau travail, félicitations. On sent que t'as compris les... Là, on sent que t'as compris tout en fait, des grosses parties qui sont en place, donc c'est trop cool. Je ne peux que te conseiller de continuer sur cette voie, tu es très bien parti. Et si vous aussi vous pensez que Lucie a fait un excellent boulot et que vous souhaitez qu'elle gagne ce soir, et bah il faut aller voter pour elle. Et Lucie est toujours à 3. Allez, on vote pour Lucie là, on y va, on met ce vote, c'est parti. Il faut là, on y va. Lucie peut encore attraper Ubaïda, j'en suis sûr. Et justement, parlant d'Ubaïda, on est parti. On part sur le travail d'Ubaïda. Alors, au travail d'Ubaïda, let's go. Que dire sur ce travail? Parce qu'il y a des choses à dire, ça c'est clair. Alors, le travail d'Ubaïda, ce qui est excellent avec ce travail, c'est que, écoute avec plaisir Lucie, impatient de voir la seconde version. Qu'est-ce qui est excellent sur le travail d'Ubaïda? Bah, c'est qu'en fait, Ubaïda a fait un truc qui est très difficile, c'est de la simulation. Et le résultat est extrêmement réussi. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont apprécié, hein, même dans l'école, hein, vous voyez, c'est celui qui a eu le plus de votes. C'est parce qu'en fait, c'est... Enfin, quand on regarde l'eau, là, juste visuellement, la flotte d'Ubaïda, ça, là, le shader, la simulation, elle est parfaite. C'est incroyable à quel point c'est réussi. Ubaïda, tu t'es vraiment balade là-dessus. Ton shader de flotte, ta simulation et tes particules, elles sont... extrêmement réussi. C'est du super boulot en termes de simulation, et c'est pour ça que ton film marche aussi bien, parce qu'en fait c'est ça qui est marrant avec ton travail Ubaïda, c'est qu'en fait le niveau de ton océan et tes vagues est tellement haut que ça compense pour les petits problèmes qu'il y a à côté. Par exemple, on sent que le shader des rochers, c'est pas trop ça. On sent que la texture est un peu tirée, on n'y est pas. On sent qu'il y a un petit problème de glow. Là, j'arrête pas de dire, mettez du glow. Là, t'as mis du glow partout, au même niveau. Alors que, logiquement, le glow, faut faire gaffe, ça doit pas être partout au même niveau. Et en fait, je pense que c'est parce que dans ton rendu, t'as dû rendre ça en PNG, t'as dû faire ton glow sur un PNG, et du coup, t'as clippé tes couleurs sans le faire exprès. Faites attention, hein. Quand vous faites votre rendu, c'est important que vous ne clippez pas vos images, et pour ça il faut rendre ça en EXR 32 bits, hein. Très important, je vous invite à aller voir les cours de compo dans l'école, hein. Il y en a un truc en particulier qui s'appelle l'EXR 32 bits sur Nuke et sur After Effects, si vous voulez vraiment avoir le détail de tout ça, allez voir ça si je parle chinois pour vous, mais faites gaffe à ne pas clipper vos rendus, parce que là clairement c'est ce qui s'est passé, là t'as clippé tes rendus. Alors, est-ce que les vagues sont vraies? Eh bien, Lucie, je me suis posé la même question. Et oui, les vagues sont vraies. En fait, Ubaïda était très intelligent. Regarde, on voit l'objet, en fait, qui rentre en collision et qui sort. Il a pris un morceau d'eau. Et regarde, il y a un objet, en fait, qui est en dessous, qui est un transparent et qui rentre et qui sort pour pousser l'eau à chaque fois et faire les vagues, en fait. Et c'est hyper intelligent. Tu vois, hop, il sort et il rentre. Clac. Hop, l'objet vient repousser. Hop. Et en fait, c'est un objet qui rentre en collision. Et après, en fait, Ubaïda l'a simplement caché au rendu, en fait. Très bonne astuce. Donc excellent. Moi j'aimerais vraiment. En fait, dire à quel point en fait Ubaïda t'a compris le fonctionnement de la simulation de fluide dans. Parce que en fait, tu as tout. T'as le shader qui est en place, t'as les bubbles, les sprays qui sont là et qui sont super bien réussis. Bubble, spray, foam. Bref, on m'a excellent. Ah, Hervé vote pour Lucie, elle t'a donné envie de boire un mojito. Alors c'est parti, Hervé, je vais rajouter de suite ton vote. Hop. Si j'arrive à retrouver le site, on va y arriver, hein, monsieur. Le mec n'arrive pas à retrouver son propre site, c'est quand même un peu triste. Allez, monsieur le téléphone, là, tu peux le faire. Oh putain. Hé hey. T'as vu, Hervé, ton vote se fait attendre. Vas-y, putain, c'est pas possible ça. Bon, on va faire comme ça. Putain, mais c'est dingue. Il veut plus chercher.
Ah là là. Bon. Bah écoute, on va leur faire sur l'ordi. Hein. Hop. Désolé, impossible de voter sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, c'est parti, tac, tac, tac. Et un vote pour ici, pour de la part d'Hervé. Hop. Ok, donc je reprends du coup sur le travail de Baïda. T'as parfaitement compris comment fonctionne le système de foam, de spray, de bubble. En plus de la simulation de voxel, de fluide, ça se sent de ouf. T'as pas de problème de résolution, t'as pas de problème de d'apparition, disparition de shader et de texture dans tes particules. On sent que t'as compris, c'est cool. J'imagine que ça a dû prendre une bonne partie en RAM et en cache sur ton PC, donc voilà. Mais on va quand même essayer d'aller voir ce que t'aurais pu améliorer. Alors dans la simulation, pour moi, y a pas grand chose à améliorer. Par contre, sur le reste, y a des petites choses que tu aurais pu améliorer, notamment le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'en fait ton sable reste sec, parce que le sable en lui-même il est extrêmement bien réussi, ton sable il est méga bien modélisé, enfin on voit que c'est du sable quoi, ça marche trop bien, mais il reste sec. Est-ce que tu aurais dû utiliser pour rendre ton sac humide? Et ben c'est ce qu'on appelle une wet map. Alors une wet map c'est quoi? Je vais te montrer, j'espère que je vais trouver, mais je pense que je vais trouver. Si je mets Blender wet map, je pense que je trouverai. En fait, c'est simplement une map en noir et blanc, voilà. Tac. Qu'est-ce que je vais avoir une... Ah voilà, on voit bien. Tu vois, c'est simplement une map en noir et blanc dans ton shader qui va en fait changer la manière dont ton shader est rough et réflectif et qui dit bah particulièrement là c'est sec, là c'est humide. Il te fallait une wet map qui s'animait en fonction de ton eau et qui venait descendre doucement et remonter à chaque fois. Ça peut se faire assez facilement en procédural avec un noise que tu animes avec un petit empty, hein, ou même ça peut se faire simplement aussi en l'animant à la main avec de l'animation 2D. Un peu plus chiant à faire honnêtement, avec du procédural ça se fait plus facilement je pense. Mais du coup simplement avec un petit empty et une position dans un noise, tu aurais pu avoir ta wet map qui avance et qui diminue, et du coup on aurait eu le sable qui devient plus mouillé quand l'eau passe dessus et qui vient de plus en plus sec quand l'eau s'en va, serait amené énormément. La web map sur ce genre de truc, ça joue énormément. Une référence absolue sur ce genre de truc, c'est le film qui s'appelle Piper. La référence absolue des séquences de plage en 3D, c'est ça, hein, c'est Piper. Si tu l'as pas vu, va le voir, hein, c'est fou 3D. Hein, y a pas de... là, c'est pas de... Ah, j'ai une version compressée dégueulasse. Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus joli? Non. Attends, on va pas pouvoir avoir une version un peu plus propre, là. Sérieux. Tous les coups, c'est parce que... Ah, là, ça va le faire, je pense. On espère. Allez, vas-y. Ouais, bon, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Là, ça, c'est de la 3D. Hein. Y a pas de prise de vue. Hein. C'est que de la 3D. La référence absolue, regarde le sable... Comment il est humide et il devient sec en fait au fur et à mesure que l'eau remonte, tu vois. Regarde le sable, tu vois, là on voit bien que le sable il est trempé, tu vois là, dans la réflexion, tu vois. Et on sent que tu vois la réflexion elle diminue et on voit la wet map qui descend, tu vois. Donc c'est vraiment important que tu joues ça. Et là on voit parfaitement la différence avec le sable sec là, tu vois. Bon, je vous inviterai à aller voir ça. Piper de Disney. Moi j'avais vu au cinéma à l'époque, je me souviens à quel point j'avais été bluffé par la technique. C'était ouf. Hop, donc voilà, wet map. Un truc que tu peux faire, et au final le petit clipping de rendu en termes de glow et un peu plus de travail je pense sur tes shaders de rochers. Tes rochers, je sens pas trop la roche, ça fait un peu juste diffuse plaqué, tu vois, un peu tiré, y a pas trop de map de roughness. Pareil, il faudrait une map d'humidité en fait, hein, une wet map sur tes rochers aussi. Bon, j'avoue que je fais exprès de chipoter parce qu'il y a pas grand chose à dire, après c'est vraiment du bon boulot. En plus t'as mis le son et tout, et ce que j'aime bien à chaque fois au Baïda avec toi, c'est que tu mets un petit contexte, chill and relax, enfin c'est trop cool. Donc ça reste un excellent projet, clairement, c'est pas pour rien, je pense que les gens ont particulièrement apprécié, c'est un super boulot. La technique est en place, c'est trop cool, bref. C'est trop bien. On peut nous faire une vidéo, mais corrigée par Romain, j'en ai besoin pour un projet. Donc... Voilà, pour ma conclusion. Oui, Piper, c'est très beau et très mignon. Et c'est... ouais, je pense que c'est un des films les plus techniquement avancés que j'ai vu. Parce que ce qui est cool, en fait, avec les courts-métrages de Pixar, en tout cas particulièrement Piper, c'est que, du coup, c'est un film qui fait que 3 minutes, mais ils ont eu autant de temps pour le faire qu'un film de 1h30, tu vois. Donc, on sent qu'ils ont foutu tout ce qu'ils avaient dans la partie technique.
pour avoir un truc ultra ultra propre. Et je sais qu'ils ont développé leur propre moteur de physique, si je dis pas de bêtises, de simulation de fluide et de bulles, juste pour leur film en fait. Il y a un moment, il y a un plan où le poussin il passe dans l'eau, tu vois, t'as un plan, l'eau elle passe devant, dessous, dessus, dessous. Putain, c'est un délire. Incroyable, incroyable, incroyable. Bref, si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est ouf. Donc, moi je termine là-dessus. Ubaida, excellent travail. Une qualité technique qui est vraiment hyper élevée. C'est très très bon. Voilà, à part les petites remarques que j'ai fait, franchement, il y a vraiment pas grand chose à dire. Attention au clipping de tes rendus. Pour le coup, je trouve que ça dommage vraiment ton image. Pour le coup, ça donne un effet un peu Alice au Pays des Merveilles qui fait pas réaliste en fait, qui fait juste un peu fake. Donc attention à ça, hein, clipping des rendus, rends tes images ou tu fais ton compo directement après le rendu et du coup là t'as pas de problème de clipping, ou tu le fais sur du format EXR pour ne pas clipper tes blancs, parce que là c'est ce qui s'est passé clairement, hein. Ton glow a clippé tes blancs. Tu vois la différence entre ça, tu vois, où t'as ton glow qui est un peu jaune sur des images pas, enfin sur des plans pas assez blancs, tu vois. Et je prends l'image de Romain qui a pas été clippé, où là le glow il est seulement sur les blancs purs, tu vois. Et on sent que ça a pas été clippé. Donc attention à ça. Là on sent qu'il y a une dynamique de couleur qui est vachement plus large que toi. Là on sent que là ça c'est un peu, le glow il fait un peu clipper quoi. Bon bref, c'est pour utiliser le détail. Pareil sur cette image là, tu vois, on voit que le glow il a pas été clippé. On sent bien que là le glow il est sur du blanc pur, tu vois ici. Donc voilà. Allez, je vous laisse voter une dernière. Allez, je vous laisse encore. Oh putain, Lucie, elle rattrape doucement, mais sûrement Ubaida. Je vous laisse encore 3 minutes pour voter. Donc sur le site, je vous remets le lien du site. Là, s'il y a des retardataires, c'est maintenant ou jamais. Allez-y, allez voter pour votre préféré. Je rappelle, Ubaida, c'est l'océan miniature qui vient prendre la vague sur les vagues en simulation de ouf. Lucie, c'est notre Morito géant à côté de lunettes avec une condensation ultra réussie. Et Romain, qui est une photo ultra réaliste d'un beau cocktail dans un vase sur un Club Med avec des petites serviettes qui sont encore chaudes. N'hésitez pas à aller voter. Allez, on y va. Je vais rafraîchir la page pour voir s'il n'y a pas des nouveaux qui arrivent. On y va. Toujours pas. Allez, je vous laisse encore une petite minute. Là, il est quelle heure là ? Il est 21h36. Allez, à 21h37, on fait un stop. Et on détermine le gagnant. On y va. Encore un peu. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, mesdames, messieurs. Si vous voulez faire changer les choses. Oh, Lucie passe à 5. Alors là, il y a un suspense total. Est-ce qu'on laisse courir un petit peu plus ou pas? 21h36 toujours. Est-ce que Lucie va dépasser Ubaida? Je ne sais pas. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Il peut y avoir encore un espoir. J'aime quand il y a ce côté de suspense total. 6 points pour Ubaida, 5 points pour Lucie, 3 points pour Romain. Attention, est-ce qu'il est 37? Il est 37, malheureusement. Stop. On doit arrêter les frais. Nous avons un gagnant. Le gagnant de ce soir, c'est Ubaida. Bravo à toi, Ubaida. Excellent projet, c'est carrément mérité. Ubaida, tu as la possibilité ce soir de pouvoir choisir, en fait, proposer plutôt le thème du prochain challenge. Pour terminer, comme tu le sais, à chaque challenge, il y a deux gagnants. Il y a le gagnant du public, donc là, Ubaida, encore bravo à toi. Et il y a mon coup de cœur, ma mention spéciale. Et moi, ce soir, ma mention spéciale, eh bien, elle va, je pense. Je vais vérifier histoire d'être sûr, mais je pense que sans trop d'hésitation, oui. Ce soir, ma mention spéciale, elle va aller à Eddy. Pourquoi elle va aller à Eddy? Eh bien, parce qu'en fait, je trouve que Eddy, c'est le seul projet de ce soir où on aurait pu vraiment penser que c'était une photo. Tu vois, là, je m'arrête, j'aurais pu vraiment penser que c'était une photo. Et c'est pour ça que je le donne à Eddy, parce que je trouve que c'est un projet extrêmement réussi et je sais à quel point c'est difficile de faire des décors. Tous les autres projets, même celui du Bayard, en même temps c'est normal, ils étaient pas loin de la photo non plus, mais il manquait le petit truc qui fait qu'on n'y croyait pas. Même Romain, les glaçons, ah, ça t'a tapé. Ce projet-là, non. En animation, ok, il y a la fumée qui est un petit peu en dessous, mais honnêtement, un excellent boulot de la part d'Eddy. Donc Eddy, félicitations, tu es la mention spéciale de ce soir. La suite, qu'est-ce qui se passe? La suite, eh bah, mesdames, messieurs, tout est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas ça qu'il faut faire. Tout est entre vos mains. Il faut que je change de caméra, voilà. Tout est entre vos mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Eddy et Ubaida, vous devez faire deux choses. Enfin, une chose chacun plutôt. Vous devez proposer dans le chat de l'école un thème pour le prochain challenge. Et le thème qui va avoir le plus de votes, hein, rappelez-vous, vous pouvez voter pour les messages dans le chat. Le thème qui aura le plus de likes, ce sera le thème du prochain challenge.
Il faut savoir que la semaine prochaine, je suis en déplacement pour l'école. Alors, je serai toujours présent, je pourrai répondre toujours à vos questions. Mais du coup, je ne pourrai pas lancer le challenge la semaine prochaine, donc il va certainement démarrer début août. Donc, ça vous laisse une petite semaine pour vous reposer un petit peu après ce long et dur travail que vous avez fait. Vous le méritez. Encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir participé au travail. Dieu sait que c'est plus facile de se branler la nouille l'été, surtout quand tout le monde ne fait rien, plutôt que d'aller bosser ses compétences 3D pour pouvoir vivre le et essayer de pouvoir avoir le métier de ses rêves. Vous l'avez fait, je vous en remercie et je vous félicite. Vous pouvez être hyper fier de vous. Le niveau, en plus de ça, est au rendez-vous de fou. Donc c'est trop bien. Que dire ? Que dire ? Vous gérez de ouf. Je vous remercie pour ça. Je me souviens, il y a des années dans l'école, l'été, on avait vraiment quasiment personne qui participait au challenge. Là, le fait d'avoir 7 personnes, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Un énorme bravo. Le niveau est d'un... Encore une fois, hein, quand je vois les projets, il y a à moitié quasiment, ça pourrait sortir d'une agence pro. Hein. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Vous avez un niveau qui est excellent. Montrez-le. Il y en a beaucoup, je pense. Vous pouvez prendre ce projet, le décomposer et faire déjà un morceau de votre showreel. N'hésitez pas à le décomposer, faire des petits turns de vos objets, montrer un peu votre modé, votre éclairage, tout ça. Bref, faites des... Faites-vous plaisir en fait, montrez aux gens ce que vous faites parce que le niveau est là et ça mérite d'être vu. Donc énorme bravo à vous, très 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 bon boulot. Je ne peux que vous encourager à continuer sur cette lancée. Vous gérez de ouf. Je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir au lieu d'être à la plage, comme a dit Lucie. Ça fait extrêmement plaisir qu'on puisse se rassembler en live en été un jeudi soir pour parler de 3D. Au final, c'est quand même un petit miracle en soi. Il faut le dire quand même, c'est un petit miracle. Donc infiniment, merci à vous, c'est trop bien. Avec grand plaisir, Marina. Et je suis ravi de voir que vous lâchez rien, Lucie, c'est trop cool. Je vous dis à très vite pour un prochain challenge ou pour la suite des aventures. Dès qu'on a le thème du challenge, on le lancera du coup début août pour faire... entre guillemets le dernier projet de l'année scolaire, même s'il n'y a pas vraiment d'année scolaire chez nous, avant de reprendre en septembre. Je vous souhaite une excellente soirée, merci encore d'avoir été là, bravo encore pour le boulot effectué, et je vous dis à bientôt. Ciao.